Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des prochains gros événements sur la scène Heroes of the Storm. On parle bien sûr d'événements e-sport, évidemment. Alors c'est également des, c'est ce qui me concerne en premier lieu, puisque c'est soit des tournois que je vais commenter, soit auxquels je vais participer. En l'occurrence, on commence directement. Je sais que je veux que ce genre de vidéo soit quand même assez digeste et que ce soit pas trop long. En tout cas, donc sortez vos agendas, ça commence tout de suite avec, alors bon là c'est tournoi fun évidemment, le tournoi abonné Twitch, évidemment le tournoi des subs, cette fois a changé. Alors je le rappelle, normalement j'essaye si possible de faire un tournoi pour remercier bien sûr les abonnés Twitch qui me soutiennent financièrement évidemment pour voilà, faire un petit tournoi fun. On essaye de varier un petit peu comme un brawl, essayer de varier chaque mois le format, des fois des 2v2, des fois des 3v3, enfin des 1v1, etc. Et là on va partir sur un, enfin 1v1 on l'a toujours pas fait d'ailleurs, mais on avait fait 2v2, on avait fait 4v4, on avait fait 2v2 arabe, on avait fait 2v2 en changeant un petit peu les règles. Cette fois ce sera un tournoi 3v3 pour les abonnés Twitch du coup. Alors le but de ce genre de tournoi, c'est tout simplement de passer un bon moment tous ensemble, évidemment, puisque c'est du tournoi fun. Remercier évidemment ceux qui me soutiennent financièrement. Et d'un autre côté, moi ce que j'essaye de faire ça, c'est un petit peu initier à la compétition des joueurs qui n'ont pas de team, qui n'ont pas de coéquipier tout simplement. Pourquoi? Parce que justement quand il y a des gros événements, quand il y a des LAN, quand il y a des tournois, eh bien souvent j'entends quoi? C'est ah mais j'ai pas de mage, j'ai pas de coéquipier, comment je fais? Tout ça. Et du coup ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que réunir par exemple 4 coéquipiers pour faire une team de 5, ça peut être un peu délicat parfois. Du coup j'aime bien avec les tournois 2v2, 3v3, que vous commenciez à vous ouvrir un petit peu, vous mélanger à d'autres personnes, d'autres abonnés également à Twitch, et du coup eh bien, pouvoir jouer ensemble. Vous constituez un petit réseau de contacts avec qui jouer déjà en ranked, que ce soit en team league, etc. Et derrière, bien entendu, eh bien, quand il y aura un gros tournoi, là justement vous puissiez plus facilement participer puisque vous connaissez un peu plus de monde. Donc c'est le but, c'est mon intention avec ces tournois abonnés. En tout cas voilà, donc ce sera le samedi 1er décembre, donc ce sera le tournoi de novembre. Je sais, le tournoi de novembre qui se passe décembre. On a failli faire vendredi soir, mais je me suis dit bon, on va faire samedi soir. Je pense qu'il y aura quand même un tournoi en décembre, mais on verra un tournoi abonné en décembre, mais ça sera probablement un petit peu avant les fêtes. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de monde. En tout cas voilà, donc 1er décembre, tournoi abonné Twitch. Donc voilà, il suffit d'être abonné sur Twitch et de bien sûr relier votre compte Discord avec compte Twitch et compte Discord pour que ce soit plus simple pour vous. Mais de toute façon, je mettrai plus d'informations dans la description. Continue sur le mois de décembre avec l'Arcaneum. Donc là, cette fois, c'est une LAN. C'est une LAN puisqu'il s'agit eh bien de l'Arca of the Storm. Alors l'Arca of the Storm, c'est un tournoi organisé par le Barcraft Arcaneum, donc le bar gaming à Lyon. On en avait déjà fait un il y a 2 ans je crois, l'Arca of the Storm, et du coup ils ont décidé d'en refaire un cette fois-ci avec donc 800 € de prize pool, sachant que ça peut être augmenté. Ils sont en pourparlers avec des sponsors. Le minimum ce sera 800 €, peut-être plus, on l'espère, si jamais ce qu'ils sont en pourparlers voilà avec certains sponsors, et ce serait cool si jamais ils pouvaient venir. Du coup ajouter une petite cagnotte à ça. En tout cas voilà, donc les inscriptions c'est 20 € par joueur, donc 20 € par joueur pour 800 € de prize pool. Tout, vous n'avez pas besoin d'amener, c'est pas un bioc, vous n'avez pas besoin de, c'est pas de bring your own computer, vous n'avez pas besoin de ramener votre PC, vous pouvez ramener votre souris bien sûr et votre clavier, mais vous n'avez pas besoin d'amener votre équipement, ce qui est super pratique puisque tout est déjà prévu sur place. Donc alors l'idée c'est que comme c'est un Barcraft, les PC sont déjà sur place, vous ramenez seulement votre souris si vous avez besoin. Vous pouvez jouer directement, mais le principe c'est que voilà, il y aura un grand écran où moi je casterai justement sur place, je serai présent sur place pour commenter le tournoi. Donc ça risque d'être super bonne ambiance. C'est ouvert évidemment au public, c'est évidemment ouvert au public. Mais le truc c'est que du coup toutes les équipes qui participent, donc c'est ouvert, c'est 8 équipes maximum, puisque après les installations sont trop petites pour faire plus. Et du coup il y en a 2 qui jouent. Il y aura des petits tournois aussi 1v1 qui seront prévus en même temps pour les équipes qui ont pu être disqualifiées par exemple, qui ont été éliminées, ou bien d'autres, pour patienter tout simplement pendant vos matchs. Donc ça va être prévu. Donc c'est du 15 au 16 décembre. Donc voilà, j'espère que il y aura bien sûr les 8 équipes. J'espère que les 8 équipes seront inscrites. N'hésitez pas, je sais que ça a pas mal commencé à se remplir, donc
foncez vous inscrire et si vous pouvez être sur place, et ben ce sera l'occasion de se voir et de boire un petit peu ensemble. En tout cas, voilà pour le bar Arcanum. Donc ça, c'était pour le mois de décembre, sachant qu'il y aura peut-être un tournoi sub en décembre aussi, mais c'est pas encore prévu. Et ensuite, on passe au début de l'année, à 2019, avec le mois de janvier. Et un tournoi qui me tient forcément énormément à cœur, puisque c'est moi qui l'organise, celui-ci. Je voulais le faire plus en décembre au départ, mais le truc c'est que bah, j'étais pas encore de sponsor et du coup il a fallu que j'essaye de voir. J'espère pouvoir réitérer plus de Nexus Cup. Donc Nexus Cup, pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà, c'était tout simplement un des tournois qu'on avait mis, qu'on avait créé à la base avec, avec Céline, lorsque nous étions dans la structure que nous avions créée à HOTSFR. Et c'est vrai que la Nexus Cup, c'est quelque chose que j'avais vraiment... J'ai toujours eu à souhait de développer la scène francophone. Donc j'ai toujours eu envie, voilà, de monter ce genre de projet. Le problème, c'est que j'ai pas l'argent à la base pour le faire. Hein. Et à un moment donné, je ne roule pas sur l'or non plus. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu banqué toute l'année pour organiser ce tournoi. Et j'espère pouvoir en refaire au fil de... Enfin, sur l'année 2019. Mais bon, là, cette fois, ça sera pas avec mon argent perso. J'espère, voilà, pouvoir compter sur des sponsors pour pouvoir financer le cash prize et pour faire vivre tout simplement la scène francophone. Puisque des équipes de scène francophone, imaginez avec Open Division, un tournoi régulier comme les Nexus Cup, et à côté de ça, peut-être des LAN, eh bien, potentiellement, on pourrait avoir un top 3 FR qui pourrait devenir enfin stable avec des structures FR qui s'intéresse. Donc ça pourrait être vraiment super intéressant et c'est notre projet, c'est pas que le mien, mais c'est mon projet qui me tient énormément à cœur à la base. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc ce sera du 4 au 6 janvier, donc tout simplement 4 et 6 janvier, donc sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Alors je sais, ça peut paraître dur, etc. En fait, ce qui va être fait, l'idée, c'est un tournoi vraiment ouvert au plus grand nombre. Vous êtes avec votre bande de potes, vous pouvez participer. On a fait en sorte d'avoir, c'est pour ça que c'est sur 3 jours, on a fait en sorte de faire un format très friendly, on va dire, pour les joueurs qui ne font pas forcément des grosses compétitions. Mais comme vous le voyez, 2000€ de cash prize, évidemment, c'est aussi un gros tournoi e-sport très sérieux avec le top team. Donc il va y avoir des phases de groupe pour faire en sorte que justement, donc ça sera en fonction du nombre de participants. Pour le moment, on essaye de tabler sur 32, mais bon, si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, bah tant pis. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est d'avoir des phases de groupe avec un certain nombre de participants. Ça peut permettre, bah, par exemple, à une équipe, même si voilà, l'équipe, elle est... c'est une petite équipe de joueurs, je ne sais pas, de joueurs par exemple gold ou platine, et bien vous participez, vos 5 matchs par exemple. Si c'est des groupes de 6, vous avez vos 5 matchs, vous n'êtes pas éliminé dès le premier tour. Je trouve ça plus intéressant. J'essaierai, alors je ne vous promets rien, mais j'essaierai de faire en sorte d'obtenir un petit peu de soutien de la part de Blizzard, peut-être des petites clés à faire gagner par exemple pour justement ces équipes occasionnelles. Comme ça, ça ne fait pas non plus fuir, parce que voilà, il y aura des grosses teams, ça ne vous effraie pas. Le but, c'est de passer aussi un bon moment. Il y aura des matchs, vous ne serez pas éliminé au premier tour, et ça, c'est super intéressant. À côté de ça, évidemment, ça concerne les joueurs également plus expérimentés qui, eux, par exemple, dans des équipes côté plus compétitives, un niveau plus Open Division, LAN FR, eh bien là, ça va être intéressant, évidemment, pour ces équipes-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire venir toute la communauté, pas seulement le côté ultra chaud leader. C'est pour ça qu'il y a ces phases de groupe, encore une fois. Mais derrière, il y aura le samedi, donc le Winner Bracket, et le loser bracket, et le dimanche, eh bien, on aura tout simplement les grandes finales, enfin donc finale winner et grand finale loser et grande finale. Donc le dimanche, ce sera le moment un petit peu plus énervé, je dirais. Et comme ça, en plus, comme c'est sur 3 jours, on pourrait dire ah ouais, mais sur 3 jours, moi je travaille, etc. En fait, normalement, le dernier jour, c'est surtout les top teams, donc c'est 3 jours pour les compétiteurs e-sport. Pour les autres, c'est peut-être un petit peu moins. Mais voilà, on a essayé de faire... Enfin, j'ai essayé de... Avec Cross, qui est l'admin, on a essayé de faire quelque chose d'assez sympa, ouvert pour tout le monde, mais également très compétitif. Donc voilà, j'espère que ça vous hype. Moi, c'est mon projet, donc évidemment, forcément, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc ce sera du 4 au 6 janvier. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura toutes les infos, hein, sur tous les tournois que je vous annonce dans la description, évidemment. Alors on va pouvoir passer au prochain, l'avant-dernier.
Il s'agit des European Nexus Contest qui se dérouleront du 8 au 20 janvier. Alors là, c'est plutôt compliqué, je vous laisserai aller voir dans la description encore une fois plus de détails sur le site, mais c'est tout simplement en fait les Nexus Games non officiels, puisque les Nexus Games c'était un tournoi organisé par Blizzard. Cette fois-ci, c'est la communauté, comme il n'y avait pas de Nexus Games de prévu cette année, eh bien la communauté a décidé de faire d'organiser ses propres Nexus Games, à savoir eh bien un tournoi communautaire. Alors par contre c'est sélection en fonction du leaderboard, donc c'est-à-dire les grand masters numéro, enfin les deux plus grandes masters, enfin les deux meilleurs grand masters donc de la solo queue, du classement solo queue, qui ont sont tout simplement les sélectionneurs de leur équipe nationale. Donc par exemple pour nous on a déjà les noms, c'est Mascarade et Nesdip qui seront les deux représentants, les deux sélectionneurs de l'équipe de France pour ces European Nexus Contest, et donc ces deux joueurs là choisiront les trois autres joueurs qui les accompagneront. Donc ce sera l'équipe de France, on suivra l'équipe de France évidemment contre par exemple l'Italie comme on l'avait eu l'année dernière, et je trouve ça super intéressant comme projet. C'est également participatif, donc vous pouvez financer, vous pouvez aider à financer un petit peu plus les European Nexus Contest, mais je vous laisserai de toute façon tout ça dans la description. Donc voilà pour les European Nexus Contest. Donc j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'est la semaine du 8 janvier. Donc la semaine du 8 janvier jusqu'au 13, je crois, c'est les phases de groupe. Et ensuite du 14 au 20, c'est les playoffs, donc les phases finales. Voilà pour l'European Nexus Contest. Donc des tournois internationaux, mais avec les équipes nationales, donc la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça, tout ça. Et pour le dernier tournoi, vous l'aviez suivi sur ma chaîne déjà l'année dernière, en 2018. Il s'agit du Gaming Winterfest, et qui sera cette fois-ci du 2 au 3 mars 2019. Alors, pour le moment, je ne suis pas encore caster de l'événement. Mais voilà, déjà vous pouvez commencer à vous constituer une équipe. Alors je suis pas sûr que les inscriptions soient ouvertes pour le moment par contre pour la Gaming Winterfest. Mais au moins voilà, vous le savez qu'il y aura une LAN en 2019 pour à Melun. Je le rappelle, ce sera à Melun. Donc la Gaming Winterfest est pour représenter, comme il n'y a pas encore de visuel, je me suis dit c'est plus sympa de partir sur les images bien sûr du top 3 de l'année dernière, évidemment des petites têtes connues, puisqu'il y avait les Nidog, les Myths Légion et les Manticore qui avaient fini dans le top 3, ainsi que mes meilleurs potes du top 4 bien sûr, avec Nyark, Whisky, Loubou, Percy et Ditrio. Donc voilà pour la Gaming Winterfest du 2 au 3 mars. Je pense que ces petites photos des 3 vainqueurs sont quand même valables. Tous les visuels du monde, c'était quand même des super moments, une super LAN, même s'il y avait eu des gros retards, etc. Derrière, je pense que vous demandez à tout le monde a franchement des bons retours, parce qu'on s'était passé, on avait passé un bon moment. Et encore une fois, pour les LAN, moi je vous invite à y participer de manière, d'être le plus nombreux possible. Pour le moment, je crois que c'est 8 places, mais l'année dernière, il y avait 8 places et il l'avait passé à 10 ou 12 d'ailleurs, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas vraiment à venir, quel que soit votre niveau au LAN, venez, c'est super important, parce que déjà, ça fait rayonner le jeu en France. À côté de ça, on passe un bon moment, quel que soit votre niveau, on n'est pas complètement fermé, on n'est pas des Agaras split push qui ne regardons pas ce qui se passe sur notre carte. Non, on parle, alors faut pas faire les timides bien sûr, mais vous pouvez parler à tout le monde, il y a une bonne ambiance, généralement le soir on va manger ou on sort ensemble. Donc ça se passe très très bien, c'est l'occasion aussi de voir toute la scène FR, là vous le voyez, mais il y a du beau monde aussi. Moi j'étais sur place, bon pour le moment je ne suis pas encore officiellement sur place, mais du coup c'est vrai que vous voyez tout le monde, c'est quand même super intéressant. Il n'y a pas des milliers de LAN, donc y venir c'est quand même super important. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux évidemment à faire partager tout ce calendrier autour de vous, et être nombreux pour les LAN évidemment, c'est super important, on compte sur vous. Toute la communauté française doit répondre présent à ce genre d'événement. Je sais des fois c'est lent, des fois ça met du temps, mais c'est super important, parce que si on répond présent et que on montre que voilà, Heroes est important en France, et eh bien petit à petit c'est l'effet snowball, et il peut y avoir de plus en plus d'événements et le jeu rayonnera tout simplement dans l'Hexagone. Donc vraiment je compte sur vous, je vous donne rendez-vous pour tous ces calendriers, que ce soit sur place en équipe, sur place en spectateur, ou tout simplement eh bien en ligne.
sur le stream, évidemment, pour pouvoir suivre ces tournois. Donc certains bien sûr sont en LAN, d'autres sont online, mais voilà, soyez présents, soyez nombreux. On compte sur vous, moi je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Toutes les informations bien sûr sont dans la description, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter pour ne rien rater de ce genre d'événement et puis suivre aussi toute l'actu. Donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas aussi à vous abonner et partager surtout autour de vous, c'est super important. Commentez si vous avez des questions aussi, bien entendu. Je fais plein de bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.